Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, je m'appelle Jean-Robert Chevalier, je suis directeur général adjoint ici au Centre Hospitalier Régional d'Orléans et j'ai le plaisir de vous souhaiter la très bienvenue au Centre Hospitalier Régional d'Orléans dans ce très bel hôpital. On m'a demandé d'ouvrir en quelques mots, et donc je n'ai pas prévu de vous faire une rapide synthèse de la littérature sur le développement durable ou sur le RSE, je n'ai pas prévu ça. J'ai simplement prévu très, très, très tranquillement de vous dire deux choses qui, à mes yeux, sont vraiment importantes. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'on est ici dans un bâtiment absolument exceptionnel, le nouvel hôpital d'Orléans. Ce bâtiment a ouvert en 2015. On a eu énormément de chance parce qu'on a mis à peine 10 ans pour le faire. Globalement, il y a eu 5 ans de conception, 5 ans de travaux, de mise en œuvre. Si je vous rappelle ça, c'est pour vous dire que le directeur général de l'époque, que certains ici ont connu, Jean-Pierre Guching, le directeur général de l'époque, en 2005, quand il a lancé l'opération, il a sollicité instantanément un bureau d'études dédié spécifiquement au développement durable. À l'époque, on n'appelait pas ça RSE, mais en 2005, quand les premiers coups de crayon ont été donnés par l'architecte, en 2005, ce coup de crayon, il était d'une façon ou d'une autre orienté par les indications, par les orientations de ce bureau d'études dédié spécifiquement au développement durable. Donc, on a la chance, ensemble, au quotidien, de vivre dans ce bâtiment, non seulement lumineux, non seulement fonctionnel, non seulement confortable, mais également qui intègre des vraies options en matière de développement durable. Alors, moi, je ne suis pas trop spécialiste, mais je sais pouvoir vous dire qu'on a des façades intelligentes qui permettent que des volets s'ouvrent ou se ferment selon la puissance de la chaleur délivrée par le soleil. Ce n'est pas banal. Je me rappelle très précisément, à l'époque, qu'on avait discuté pendant de longues heures sur la perspective de créer un surcoût au bâtiment en mettant en place pour 300 000 euros, c'est le chiffre que j'ai en tête, des éclairages LED dans toutes les circulations de l'hôpital, alors qu'initialement c'était prévu en éclairage standard. Je me rappelle assez précisément qu'on n'ait pas mis longtemps à se mettre d'accord sur la nécessité de mettre en place des panneaux solaires. Et puis on a été, je crois, un peu innovant en installant des détecteurs de présence dans les salles, de sorte que quand on rentre, ça s'allume, quand on s'en va, ça s'éteint. Donc, objectivement, c'est là où je voulais en venir, objectivement, on a une chance exceptionnelle de disposer d'un bâtiment qui, objectivement, est déjà très élaboré en termes de développement durable. Et ce n'est pas exactement partout pareil, puisque j'étais à Pithiviers hier, j'y retourne demain. Objectivement, à Pithiviers, ce n'est pas exactement pareil. Il n'y a pas exactement tout ça. Donc, le premier élément que je voulais vous faire passer en termes d'information, c'est qu'évidemment, le bâti est un élément considérablement structurant de notre capacité à mettre en place de façon opérationnelle du développement durable. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'indépendamment du bâtiment, il y a les comportements. Le comportement de chacun d'entre nous. Dans ce bel hôpital, il y a 5500 personnes. On attend que chacune de ces 5500 personnes ait un comportement responsable vis-à-vis du développement durable dans le tri des déchets, dans la limitation de la consommation de l'usage unique, toutes choses que vous connaissez mieux que moi et sur lesquelles je ne reviens pas. Donc, s'il vous plaît, on dit deux choses en reformulant. Il y a des hôpitaux qui ont un peu plus de chance que d'autres avec des bâtiments qui conviennent mieux dans une politique de développement durable. Mais même si on n'a pas la chance d'avoir un très beau bâtiment, il n'empêche, notre organisation quotidienne, notre fonctionnement quotidien peut faire le job néanmoins. Voilà. Donc moi, je ne veux pas vous en dire plus. Je veux vous remercier chaleureusement d'être là pour cette belle journée. Et deuxièmement, pour finir complètement, je serai très attentif au bout, aux résultats opérationnels de vos échanges de la journée complète. Et je m'engage, Isabelle, à essayer de soutenir d'éventuelles innovations qui seront proposées dans le domaine du développement durable en perspective de le mettre en œuvre aussitôt que possible. Voilà, j'ai terminé. J'avais promis de ne pas être trop long. Je vous remercie encore. Merci.
Alors à mon tour, je vais dire quelques mots, peut-être un petit peu plus précis, chiffrés, parce qu'il faut aussi rentrer un peu dans le détail. Je me présente, je suis Isabelle Brévet, je suis directrice déléguée ici au sein de l'établissement d'Orléans, et plus particulièrement chargée, c'est ma casquette du jour, du développement durable à l'échelle du groupement hospitalier de territoire, ce qui représente 9 établissements publics de santé répartis dans tout le Loiret. Je trouve que simplement ce positionnement est une illustration complémentaire de ce qui vient d'être évoqué par M. Chevalier, à savoir le caractère innovant que l'établissement d'Orléans a su donner à sa démarche de développement durable. M. Chevalier le disait, dès 2005, une première réflexion autour du nouvel hôpital. En 2020, la création d'une direction chargée du développement durable, non pas à l'échelle de l'établissement, mais à l'échelle de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, en 2023, il n'y a que 34% des établissements de santé qui ont une personne responsable du développement durable. Nous, on ne l'a pas placé à l'échelle de l'établissement, mais à l'échelle du GHT. Voilà, ça me semblait mériter aussi d'être souligné. Le développement durable dans le domaine de la santé, pourquoi ? Parce que les établissements de santé aujourd'hui représentent 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc on a clairement notre rôle à jouer. Les établissements de santé, 8% des émissions de gaz à effet de serre. Il a été évoqué le fait qu'à Orléans, on avait la chance de disposer d'un bâtiment qui soit plutôt aidant en la matière. Mais en matière de comportement, il nous reste encore quelques petites choses à faire. Je vous donne 2-3 chiffres pour vous donner un petit peu, évaluer un petit peu de quoi on parle. L'hôpital d'Orléans, donc là, je parle bien du seul établissement, en 2022, a une consommation électrique qui représente l'équivalent de 5345 fois le tour de la Terre en voiture. Alors, on sait que c'est un bâtiment qui est, avec énormément d'énergie, au service des patients, de technologie. Voilà, il ne s'agit pas de tomber dans la décroissance et de ne pas utiliser la technologie qui est à notre disposition. Mais pour autant, je pense qu'il y a quand même des choses à faire au quotidien dans la limitation de l'utilisation de la consommation d'énergie. On a produit aussi 1920 tonnes de déchets. Seulement, il y en a 1500 qui n'ont été ni valorisés ni recyclés. Donc je pense que là, on a quelques marges d'amélioration. Et 80% des trajets domicile-travail qui sont réalisés quotidiennement font moins de 5 km. Donc là aussi, je pense qu'en matière de mobilité propre, on a des marges d'amélioration. Voilà. Je ne vais pas être trop longue, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on lance une démarche, on lance officiellement la démarche à l'échelle du GHT sur le développement durable. C'est la première séance que l'on fait, première journée de ce type. On a choisi de mettre en avant les différentes thématiques du développement durable. On n'a pas pu toutes les mettre en avant dès le premier jour, mais voilà, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Donc, pour vous faire un petit parcours rapide de ce qui est aujourd'hui installé, on a un certain nombre de nos partenaires qui sont venus ici pour communiquer sur le fait que l'établissement soit relié à une chaufferie biomasse, puisque l'établissement est rattaché au réseau de chaleur urbain et à ce stade inscrit donc dans alimenté par la chaufferie biomasse qui est présentée par Dalkia. On a, je vous l'ai dit, beaucoup de déchets encore qui restent à trier et à valoriser, mais on fait déjà un certain nombre de choses. Donc Veolia est là pour témoigner de ce qui est déjà mis en place et de donner quelques chiffres, si ça vous intéresse, spécifiques à l'établissement d'Orléans. On ne peut pas parler de développement durable sans parler de mobilité. Donc on a 2 choses en la matière. Vous avez Keolis qui est ici présent, qui vient présenter en fait les dessertes de l'établissement en matière de transport en commun. Il y a la possibilité pour les professionnels qui souhaiteraient de prendre un abonnement. Je rappelle que depuis septembre, c'est 60%, 75% de l'abonnement au transport en commun qui peut être pris en charge par l'employeur. Donc voilà, c'est aussi une œuvre collective parce que ça préserve des places au profit des résidents dans les parkings de l'établissement, au profit des visiteurs et des patients. Et c'est une démarche d'éducation à la santé. Ce ne sont pas les médecins qui sont dans la salle qui me contrediront si les professionnels bougent un petit peu plus. On a un stand qui est plus spécifiquement celui de l'établissement et du GHT où là vous trouverez quelques informations précises, chiffrées. Vous pouvez aussi, si vous avez des propositions d'action à nous soumettre de manière anonyme dans une urne, une urne est mise à disposition pour recueillir les idées. On a toute une
dimension artistique aussi qu'on a souhaité donner à cette journée. Pourquoi ? Parce que nous avons la chance d'avoir parmi nous une professionnelle de la santé, IAD de son métier, qui réalise des œuvres à partir de déchets hospitaliers, de récupération de déchets hospitaliers. Ce sont les œuvres que vous apercevez ici et pour laquelle on organisera une visite en présence de Malika Lazar, l'artiste, juste après que j'ai rendu le micro. Rassurez-vous, je ne serai plus très longue. On a aussi des éléments sur la partie lutte contre le gaspillage alimentaire. La législation nous impose d'augmenter progressivement la part des produits de qualité, des produits labellisés, des produits bio qui sont servis en restauration collective. On ne va pas se mentir, aujourd'hui ce sont des produits qui sont un petit peu plus onéreux que les produits lambda. Mais si on travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et que concrètement on évite de jeter des choses qu'on a achetées et donc qu'on a payées, on peut majorer un petit peu les budgets qui sont donnés pour l'achat des produits alimentaires et servir des produits de meilleure qualité qui seront mieux consommés. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux quand on fait ce genre de choses. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus longue. La journée est rythmée par un certain nombre de temps forts. Au-delà de cette exposition dans laquelle vous êtes la bienvenue et vous pouvez aller librement, on a à 14h, pour rester sur la restauration collective, un engagement renforcé par l'hôpital d'Orléans autour de Mon Resto Responsable. Et d'autres établissements du GHT vont en profiter pour adhérer à la démarche, puisque Pithiviers, Neuville-au-Bois et Beaune-la-Rolande s'inscriront dès aujourd'hui officiellement dans cette démarche. Et on a à 16h30 une conférence qui est organisée dans le hall de l'établissement, donc à l'étage en dessous, dans l'amphithéâtre et non plus dans le hall, sur ce que chacun d'entre nous, à titre individuel, mais en tant qu'agent dans une entreprise ou dans un établissement, on peut avoir comme petit geste au quotidien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il nous semble important, au moment où on lance la démarche, de travailler sur un peu de pédagogie. Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde fait du développement durable sans le savoir. Mais avoir quelques repères, quelques idées clés, c'est important aussi pour ensuite que l'on puisse véhiculer, être chacun les ambassadeurs de cette démarche au sein de l'établissement. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que je pense que j'ai dit assez de choses. Je voudrais simplement saluer les représentants de la communauté médicale qui s'associent à nous, je pense, dans cette démarche aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir la présidente de CME et Madame Hermelin à la pharmacie, ce qui prouve l'engagement de l'ensemble de l'établissement dans cette démarche. Docteur, je ne sais pas si... Merci, vraiment merci. Merci vraiment d'avoir déclenché la journée et la quinzaine du développement durable au CHR d'Orléans et sur le GHT 45, c'est ça qui est formidable. Donc je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit déjà. Nous, on participe tous les jours, on peut y participer. Je pense que ça tient à cœur à tout le monde d'avancer sur le développement durable. Les mails, videz vos boîtes, c'est pas compliqué. Le papier, stop, arrêtez d'imprimer. Voilà. Et vraiment, merci beaucoup, Mme Brévier. Merci, Monsieur Chevalier. Isabelle. Pas grand-chose à rajouter. Merci effectivement à l'établissement de partir dans cette démarche. Beaucoup d'entre nous l'ont démarré à la maison. Et effectivement, à l'hôpital, on a autour de nous un bel exemple de mise en œuvre de travail sur l'environnement et pour sauver la planète, pour nos enfants aussi. Il faut qu'on pense à tout le monde. Et donc, au quotidien, effectivement, les mails, au-delà de les détruire, surtout ne les envoyez pas. C'est-à-dire, il faut arrêter de mettre tout le monde en copie et de répondre à tous. Je crois que là, déjà, on gagnera à la fois pour l'environnement, on gagnera du temps. Et puis les déchets. Effectivement, bon, on travaille. Tout à l'heure, il y a un travail qui va être présenté avec M. Boulin et les collègues de réanimation médicale. On va travailler avec le bloc opératoire. Je vois des collègues du bloc aussi. On a déjà travaillé. On travaille déjà et avec les fournisseurs, notamment de dispositifs médicaux et de médicaments. Et on essaie d'éviter au maximum le gaspillage. Ça, c'est très important. Et notamment au niveau du CHR, sachez-le, on a mis en place avec la direction un système
de récupération des médicaments non utilisés qui sont triés hein, par des agents et qui sont remis dans le circuit à partir du moment où ils sont utilisables. Ça évite de jeter. Et la première année, on a quand même fait 93 000 euros d'économie. À la fois, c'est intéressant budgétairement, bien entendu, donc ce n'est pas la direction qui va me contredire. Hein. Mais effectivement, ça va très vite. Donc, on récupère et on remet dans le circuit des médicaments. Donc, voilà, ça évite du gaspillage. Voilà, merci à vous. Et je vais laisser la parole à Malika Lazare, donc, qui va venir nous présenter un petit peu son travail et qu'on accompagnera à la visite de son exposition. Je vais être très brève. Hein. Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être là. Hein, merci de profiter de cette belle journée. Et premièrement, je voudrais remercier l'hôpital d'Orléans de m'avoir, m'avoir permis de faire cette grande exposition dans la ville où j'habite. J'habite à Orléans et je travaille sur Paris. Et en tous les cas, je suis ravie, mais ravie de vous faire profiter de ce qui me sensibilise. Je suis dans l'environnement durable depuis l'âge du CP. Je suis dans le recyclage et la récup, même dans la vie privée que dans la vie de l'hôpital. Je suis infirmière anesthésiste et je travaille à l'hôpital Trousseau à Paris. Je fais des allers-retours Paris-Orléans. Et d'autre part, mon objectif, l'objectif... Mais je vais arriver à la retraite à 60 ans, là, c'est bon. Je crois que je vais arriver à la retraite, là, donc je pense que ça sera... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? L'objectif de mes expositions puis de mon travail, c'est que je suis une artiste engagée. Je ne fais pas ça uniquement pour le plaisir, si, un petit peu, mais beaucoup, pour sensibiliser justement sur ce qu'on peut jeter et ce qu'on peut recycler. Je donne une seconde vie à tout ce qu'on jette. Et quand je vais travailler, je suis contente de faire ma journée de bloc opératoire en tant qu'infirmière anesthésiste. Mais je suis contente aussi de faire les poubelles parce que je trouve plein de choses, que des choses propres, bien sûr. Et comme vous avez vu sur mes tableaux, c'est coloré. Je rajoute rien, pratiquement rien. Tout est d'origine. Que ce soit les bouchons, il n'y a que les seringues ou les compresses qui sont bien blanches. J'ai mis un peu de couleur. Mais en tous les cas, voilà. On peut faire beaucoup de choses au niveau de tout, de la vie de tous les jours. Ne pas jeter, consommer, jeter, consommer, jeter. Et d'autre part, j'anime beaucoup d'ateliers pour les enfants, justement, pour les sensibiliser avec la création de mon association que j'ai créée en 2011. Et aujourd'hui, j'ai emmené de quoi faire un atelier, du moins permettre aux enfants de faire un atelier, comment faire de l'art avec peu de moyens et avec du recyclage et de la récup. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, je suis ravie et merci encore à l'hôpital d'Orléans. Et vraiment, je suis heureuse d'être là. Merci.